Stéphanie Todaro, éducatrice au sein de la Fondation Lumi. Ça fait 16 ans donc je suis sur un poste en fait, d'éducatrice spécialisée dans un service de milieu ouvert. Alors, les services de milieu ouvert, ils interviennent dans le cadre de mesures éducatives. Il y a deux mandats différents en fait, pour exercer les mesures éducatives. La première, elle est à la demande des parents. Ce sont des parents qui sont en difficulté et qui rencontrent leur assistante sociale de secteur pour faire part de ces difficultés et demander un soutien éducatif. Le deuxième mandat, il est judiciaire. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'un juge des enfants qui a préalablement reçu les parents et les enfants suite généralement à un signalement du service social de secteur ou des établissements scolaires. C'est un des services effectivement où on travaille avec beaucoup de professionnels, un partenariat très développé puisque le but c'est justement de rencontrer l'ensemble des personnes qui peuvent graviter autour de l'enfant. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est cette relation individualisée qui s'établit, qui se construit avec l'enfant, avec les parents aussi. C'est une réelle rencontre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre en relation aussi les professionnels qui interviennent déjà. Et donc, notre travail, c'est aussi de coordonner ce qui a déjà été fait. Et l'enfant également, il voit qu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent à lui et qui ont compris qu'on ne pouvait pas le laisser dans cette situation-là. Alors prochainement, je vais intégrer une maison d'enfants, la maison d'enfants d'Yvetot, sur le poste de délégué aux familles. On permet en fait des visites entre les parents et les enfants. On les organise. On tente en fait de médiatiser les relations par enfant. C'est le fait d'avoir pu profiter de différentes formations internes. Alors ce sont des approches, c'est vrai que c'est des formations qui peuvent être 2 jours, 3 jours, 5 jours. Bénéficier de ces formations, ça permet de remettre en question nos pratiques, d'échanger aussi avec des collègues, puisqu'en fait elle est ouverte, ces formations elles sont ouvertes à l'ensemble des salariés d'ENI. Et donc ça permet de rencontrer d'autres collègues, savoir comment eux ils fonctionnent sur leur service, savoir comment ils travaillent, quels outils ils ont mis en place, qu'est-ce qui les anime. L'engagement pour les enfants en difficulté, la volonté de respecter leurs droits et de faire respecter leurs droits.